La première dame Dominique Ouattara s'est rendue à la résidence de la famille de Zadik et Kessy-Marcel, si ex-président du conseil d'administration PCA du groupe 6 au si, à Cocodile-les-Deux Plateaux, le mardi 20 octobre 2020. La nouvelle du décès du frère aîné du célèbre homme de culture Feuzadi Auroa a été annoncée le mercredi 14 octobre 2020. Il était âgé de 84 ans. Aussi, Face à cette triste nouvelle, Madame Dominique Ouattara a tenu à aller présenter ses plus sincères condoléances et celles du Président Alassane Ouattara à la famille de l'illustre disparu. Cliquez pour agrandir l'image. La cérémonie de présentation de condoléances a enregistré la présence de Madame Yolande Bakayoko, épouse du Premier ministre, M. Alain Richard Don -Waï, ministre des Eaux et Forêts, porte-parole de la délégation, Madame Rokia Ouattara, Sœur cadette du président de la République et de bien d'autres personnalités et proches collaborateurs de Madame Dominique Ouattara. La délégation de la première dame a été reçue au domicile de l'illustre disparu par M. Michel Zadi, frère et des membres de la famille de M. Zadi Kessi Marcel. Prenant la parole, M. Richard Alain Wahi, ministre des eaux et forêts, a rappelé les relations étroites qui existaient entre le couple présidentiel et l'illustre disparu. Il a, par ailleurs, insisté la grande perte que représente le décès de M. Zadi Marcel Kessi pour non seulement le couple présidentiel, mais aussi, pour sa région la Nava et pour toute la côte d'Ivoire. C'est donc fort de cette perte et pour la qualité et la nature de leur relation que la première dame a tenu à venir témoigner non seulement son soutien, mais aussi, prendre sa part dans l'organisation de ses obsèques auprès de la famille éplorée. M. Nisako Porte-parole de la famille Zadi a remercié le couple présidentiel pour leur démarche. Des remerciements qui ont été réitérés par M. Michel Zadi en personne à la première dame. En effet, le frère du disparu a indiqué qu'au-delà du geste, la présence seule de la première dame auprès de la famille Zadi est un signe de réconfort. Merci du fond du cœur. On sait les liens forts qui vous liaient à Marcel, a-t-il remercié. Cliquez pour agrandir l'image. La première dame offert sa participation pour la réception des parents et des proches du défunt. En effet, l'épouse du chef de l'État a offert la somme de 5,05 millions FCF à la famille de l'illustre disparu. Signalons que M. si Marcel a été le PDG du groupe 6 au Son décès est survenu à Abidjan des suites d'une longue maladie. Ces dernières années, Marcel Zadik et si s'était retranché dans son village natal de Yakoli Dabouo, dans le département de Soubré.